sont tout fiers de montrer sur la page et qu'on voit les putains de péons qui ont toujours des mains en carré, quoi. C'est sur la version PS4, quoi. Je les regarde pas trop, mais c'est moche. Si ça reste comme ça, c'est moche. C'est, ça va rester comme ça. Puisque ils ont les mains en carré, quoi, sur les screenshots PS4, quoi. C'est... Je comprends pas, puisqu'ils ont déjà le modèle en plus, quoi. Ouais. Putain, il y a quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Only for Game. Genre, il y a quelqu'un à cette heure-ci, quoi. Soit il est pas couché, soit il se lève tôt, soit il est québécois. Ouais. C'est l'un des trois. Il est québécois, il se lève tôt et il est pas couché. Voilà. J'ai reste, monsieur. Bravo. Touillé, picouli, je ne vois pas votre jeu dans la liste. Bah attendez 2 minutes, ça va sûrement s'afficher. Non! 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 Putain, mais vous l'avez vu, My Ass of Nihilistic, mais... Non. Il est beau, quoi. Bon, allez, là... C'est bien, touillé, touillé, picouli, mais... Moi, je veux le Tenko Game. Putain, quand je tape Chrony, ça met directement votre nom, monsieur. Sur Facebook. Bravo. Bravo. Ça fait peur. Pourquoi vous tapez Chrony sur Facebook? Parce que je dis qu'il y a un live matinal avec vous. Ah, mais vous avez mis... Ça, vous voulez dire que ça met mon vrai nom, directement? Oui. C'est normal, alors. Parce que c'est le nom que j'ai dans... Si vous allez dans mon profil, techniquement, il est sous Chrony, en fait. Et ouais. C'est facebook.com/Chrony, et... il y a mon vrai nom, et entre parenthèses, Chrony, sur Facebook. Donc, c'est pour ça. Ceci explique cela. Bien, parce que comme ça, je viens de dire ouvertement que tout le monde pouvait me stalker sur Facebook. Bon, je vais refaire la partie, monsieur. Ouais, parce que là... C'est moi qui a fait le cul. Bravo. J'ai mis réseau local comme un cul. Mais bravo, bravo. Oh, et ça va, hein? Non, ça va pas. Moi, quand je vois ça, franchement... On est en pleine nuit, je suis fatigué, j'ai le droit à l'erreur. Je mets pas d'annonce sur YouTube, par contre, au four. HD ce matin, ouais. De quoi? Le live du matin, ouais, bah... C'est Kappa HD, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah, ça y est, je vous vois. Ah, quand même! Bah, écoutez, ça marche mieux, hein, quand c'est dans Internet et pas dans réseau local. Mystérieusement, ça marche mieux. Ça aurait pu marcher. Eh bien... Eh bien, ça fait aller, Oni, ça fait aller. Et... Tenko, il pue le poisson, mais... Ça va, je me suis changé, quand même. C'est ça. Vous savez bien que ça reste, ça, monsieur. Un peu. Oh, c'est le requin, il était ignoble. Le requin, après, j'avais des mains qui collaient, quoi, mais
C'était ignoble. Et oui, parce que le requin, ça a le genre d'un truc gluant sur la peau, normalement. Ouais, puis j'ai dû le prendre à la main, parce que le truc, était tellement gros, on a été obligé de le prendre à deux, parce qu'il faisait il était même un peu plus gros que moi. Un gros câlin. Je l'ai pris par la tête. Il était éventré, le truc, en plus. C'était limite s'il n'y avait pas les tripes qui pendaient, quoi. Non, on a mis un peu de sang, mais bon. Mais ils devaient avoir les tripes qui devaient être enlevées, parce que je pense que il y aurait des tripes qui seraient barrées. Ça serait tombé, ouais. Par contre, il y a des trucs qui les enlèvent pas, les tripes. Il y a des bacs qui sont vraiment ignobles, puisqu'il y a des tripes dedans, quoi, qui se baladent. Parfois avec dans le jus et tout. La bonne marinade comme il faut, quoi. Les trucs les plus dégueulasses, c'est la sèche, la raie et la lotte. C'est les trois trucs les plus dégueulasses parce que c'est plein de jus, c'est gluant, si tu t'en fous partout quand tu transportes le truc, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, la sèche, ça doit être assez gore. Le poulpe aussi, dans le même genre, ça doit être pas mal. Ouais, il y a de l'encre partout avec ça. T'as une espèce de mélange de jus, de jus gluant et d'encre, en fait. Ça fait une espèce de marinade noire, c'est beau. Ça donne envie. Hein. Ce qu'il y a de mieux, ça reste le crabe. Ça, au moins, c'est propre. Oui. Ouais. Parce que le crabe, au moins, c'est propre, c'est fine, c'est bien. En plus, ouais. Généralement, ils sont vivants, donc c'est bien. Presque tout le temps, ouais. Mais ouais, j'en ai eu ce matin du crabe en plus. Des araignées de mer aussi. J'aime bien ça, parce que j'aime pas par contre les tuer après. Moi je les entends pleurer quand on les fout dans les bacs d'eau bouillante. Ouais, de toute façon, nous on les vend vivants, donc techniquement c'est les clients après qui oui, subissent oui, ce calvaire. Ça y est, touche entrée simulator. C'est ça. Pacte de défense. Non. T'es trop nigger, toi. Mais où? Cette vieille caravelle que j'ai depuis je sais pas combien de temps et qui sert à rien. Qui sert juste à explorer et que je peux même pas améliorer ni rien parce qu'il n'y a pas d'amélioration pour les caravelles. Du coup, j'ai juste la vieille caravelle qui est là depuis je sais pas combien d'années. Vous feriez engueuler par Aimer, monsieur. Pourquoi? Parce que j'ai une carrelle. Parce que c'est obsolète et du coup ça coûte de l'argent apparemment. Donc voilà. Non, enfin que je sache, ça me coûte pas d'argent. Hein. Bah ça ponctionne un peu vos revenus quoi, mais après. Pour trouver toutes les unités obsolètes, c'est casse-couille quoi. Non, comme ça, vous apprenez les fusées. C'est fini un peu, oui. Et il vous reste 12 tours. Et tout à fait. Alors, mais je dois avoir sûrement un réseau d'espionnage automatique. Ça doit être pour ça, je sais pas. Ah, par contre, ce matin, je sais pas ce que j'ai fait là, mais je me suis coincé les doigts entre deux bacs, genre trois fois. Et la troisième, elle était particulièrement violente. Et là, je commence à avoir une espèce d'hématome qui commence à se former. Bravo. Là. J'ai une espèce de bosse sur le doigt, c'est ignoble. Je pense que je vais le sentir passer pendant quelques jours, ça. De devenir un mutant, monsieur. J'ai des gros hématomes au bras aussi. Mmh. Pas des hématomes, mais... Ouais, si. Oh putain, le bras droit. J'ai un bleu, il fait une grosse ligne. Bravo.
Ça, c'est quand je prends les bacs par deux, ça fait super mal. Qu'est-ce qu'il a, lui? Espèce d'enculé. Étonnant, Oni, que oui, tu sois le seul viewer. Là, je pense que tu peux toujours rêver pour avoir de la compagnie ce matin. Ou alors, sur la fin, peut-être. Le matin... Alors, on va peut-être avoir des viewers qu'on voit jamais d'habitude, monsieur, ça se trouve. Ben ouais. Mais genre, je trouve des gens... Des gens ? Je trouve des unités qui sont planquées, en fait. Genre dans mes villes et qui foutent rien. Genre là, j'ai un moine taoïste qui est là et qui sert à rien. On va crever, petit bâtard. Ça, taille. Petit pédé enculé, ouais. Je sais plus si c'est les moines taoïstes ou si c'est autre chose, mais quand tu leur fais faire une action qui les font disparaître, ils disent un truc, ça ressemble à pourquoi. Mais je sais plus si c'est eux ou autre chose. Il me reste un chausson à la framboise, mais j'en ai déjà mangé deux. C'est vous le chausson à la framboise? Sir Thomas Rowe. Un grand homme. Un grand gay. Putain, ton bateau atelier de cul, là. Il y a encore un truc qui est planqué ici, un bateau atelier qui est complètement planqué, je sais pas ce qu'il fout là. Est-ce que j'exploite le pétrole partout où j'en ai, moi d'ailleurs, je suis en train de penser. Mais moi je peux même pas exploiter de pétrole nulle part parce que j'ai aucune case qui est sur le pétrole. Là j'ai genre une nappe de pétrole chez moi qui est genre à une case de là où sont mes frontières. Ça me gave. Ah ouais, dans le nord, à Pingasland là. Ouais. Ah, c'est con, ça. Y a absolument pas moyen de faire monter les cases, quoi. Ben, ça s'étendra au fur et à mesure, normalement, mais... Putain, vous êtes déjà à 21, ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud d'aller au-dessus. On fourre le bateau atelier, hop. Ah, c'est vrai que c'est un peu la haine, là, sur le coup. Et là, j'ai du pétrole ici ou pas? Il n'y a pas beaucoup de pétrole sur cette map, en fait. Non. J'ai la chance d'en avoir... D'avoir un gisement de pétrole juste à côté de ma capitale, mais... J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup ailleurs. Là, j'ai pas regardé du côté des anciens territoires de Staline. Ah si, il y en a un, là. Il y a un gisement. Mais c'est en dehors de mes frontières. Bravo. C'est encore pire que vous, en plus, sur ce coup-là. Ah, c'est quand même bizarre que Civilization 4 rame plus que Saints Row 4. C'est complètement con. Et tout à fait. T'as vivement que je déménage, monsieur, ça va faire du bien au niveau de la connexion. Je vais avoir alors genre une connexion 5 fois plus rapide, ça va être autre chose. Bravo, bravo, bravo.
Quoi? Je réfléchis. Eh bien, arrêtez ça! Vous voulez que j'arrête de réfléchir? Vous voulez que je sois con? You have discovered laser. Exactement. Ah, ça vous amuse, hein? Exactement. Eh bien, vous resterez au village! Vous garderez le druide! Non. Pourquoi faire ça? Ah oui, j'avais oublié que j'avais cette ville. Le port, c'est au bord de la mer. Vous êtes en train de faire quoi, vous? Moi? Non, pas vous. Pour les repas, comment ça pour les repas? Bah les heures de repas, je pense. Que j'ai pendant moi quand, Non. Pendant les heures de repas, est-ce qu'il y a du monde, en gros? Ah, Bah les heures de repas du soir, ouais, ça peut aller. Vers midi, bof. Quoique, ça... j'avais fait un live vers midi une fois, mais il y a très longtemps. Et il y avait pas mal de monde. Mais en même temps, c'était pas une période de vacances. Donc les gens se levaient tôt. Alors que là, on est pendant les grandes vacances. Les gens se lèvent pas avant midi pendant cette période. Moi, je suis levé depuis 19h30. Bravo. C'est l'horloge de 12h inversée, en fait. Bravo. 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 Parfaitement. Farpêtement. Ça, c'est à cause de Champac et Pink Floyd, quoi. Le vieux parfaitement. Complètement. Fibre optique. Ah bah oui. Ah oui, monsieur, hein, c'est important. Je crois que je l'ai déjà, moi, la fibre optique. Si je dis pas de conneries. Je vais regarder ça. Oula, ils sont tellement. Je fais bêtise. Pauvres. Ils sont tellement pauvres les autres, c'est moche. Ah ouais, mais... et on les a même pas mis à la difficulté minimum, je crois en plus. Ouais, j'ai déjà la fibre optique. Ouais, c'est un peu lolgué tout ça. Putain, mais à Fontenay, ça sent même plus la thune. Ça sent la thune. Ah bon, ça c'est moche. Ça sent le foin là à Fontenay. Ah, la jeunesse.
secours. Ah, vos troupes sont attaquées. Lol. Par qui? Des barbares, j'imagine. Oui. Mec, il a un espèce de vieux galion viking tout pourrave et il attaque un destroyer, quoi. C'est con, un barbare. Voilà, au four. Missionnaire juif. Ah. Je l'enverrai bien chez vous, celui-là. Ah non. Je crois que je peux, en plus. Vous pouvez me l'offrir, même, je crois. Si vous l'envoyez chez moi, vous le mettez, genre, dans mes frontières, et vous devriez avoir une option pour me donner l'unité. Oui, ça je peux, ouais. Mais dégueulasse. Mais le pire, ce serait que je l'envoie pour essayer de convertir votre peuple au judaïsme. Alors, vous faites ça, monsieur. Très bien, ça va mal se passer. C'est la guerre, c'est ça? Ça va très mal se passer si vous faites ça. Moi je m'en fous, il y a toutes les religions chez moi normalement. Sauf l'islam. Je crois que j'ai pas l'islam. Si, moi je les ai en plus, l'islam, dans une de mes colonies plus loin. Je suis en train de regarder. Mais... islamiste, chrétienne et taoïsme à la fois. Ah, j'ai peut-être pas les chrétiens non plus. J'ai le taoïsme, j'ai le judaïsme. Ah si, si, j'ai l'islam à Rochefort. Pas forcément. Forcément à Rochefort. Ah, Kamoulox aussi. Forcément à Kamoulox. Et j'ai la chrétienté, le christianisme à Bourse-Rouble. Bravo. Mais la religion la plus répandue qui est sur mon territoire, c'est le taoïsme. Bravo. Et vers mes villes de base, il y a pas mal de judaïsme, hein, aussi. Hein. En même temps, c'est la première religion que j'ai eue, le judaïsme, il me semble. La fête du président à sardine à l'huile. La fête du président. Moi j'ai la fête du premier ministre tout le temps. Complètement con ces gens. Et au moins vous êtes plus en despotisme. Fête du président encore à sardine à l'huile, putain, mais c'est... C'est souvent, dis donc. Faut arrêter de me sucer la bite un peu. Non. On n'empêche comment j'ai sodomisé les droits d'auteur l'autre fois avec Saint-Trou. À ce point-là. Bah, avec la radio et tout. Ça a piqué, quoi. Après, bon. C'est surtout pour la rediff, après, je m'en tape, quoi. Tant que la vidéo est encore visible et que ça me flague pas, tout va bien. La fête. Ah, les frontières de Fort Boyard se sont étendues, ça y est! Bravo, bravo!
J'ai enfin le pétrole. Je vais pouvoir... mais j'ai plus le bateau atelier, du coup. Oh, ça va vite à faire. Ouais, mais il faut que j'en ai un qui veuille bien le faire, du coup. Un truc où je peux en faire un. Ouais, mais barbare de cul, si je lui fais faire un bateau atelier, ça va être dans le du mauvais côté. Une violente tempête a engendré de nombreuses tornades de classe F5, semant le chaos à travers nos terres et saccageant notre amélioration atelier. Bravo. Super. Non, mais bravo, quoi. Ouais. Tempête de cul. Chong Tzu! Chong Tzu, à Crabland, prophète illustre. Bakamega célèbre la fête du président. Putain, mais il sert à rien, ce mec-là, en plus. Ah, mais c'est un juif, en plus. Je crois. Avec ce nom, c'est un juif? Bah apparemment, parce qu'il a un truc avec genre une étoile bleue sur sa ville sainte. Ce qui peut construire le temple de Salomon en fait, ce con. Bravo, bravo. Mais il sert tellement à rien là, il donne quoi du coup? Plus 2, plus 5, plus 3, ouais, je vais aller le faire à... dans une autre des villes là-bas. Tu rentres pas dedans, toi, petit con, là. C'est un toupil. C'est la question co. C'est la question in. C'est la question cocaine. Bravo. Comme vous dites. Fort Boyard célèbre la fête du Premier ministre. Si vous voulez faire chier Pinkfold, monsieur, avec Jean-Luc Reichmann, ça marche bien. D'accord. Vous citez du Jean-Luc Reichmann. je note, monsieur. Avec Champac, on arrête pas. Ça l'emmerde. Bon, ça le fait marrer aussi un peu, mais... T'as 19 tours pour cette merde, sérieusement? Ah oui, mais attends. C'est qu'il faut que je réinvestisse dans la recherche aussi. Peut-être un mec comme ça, ouais. Ah oui, 11 tours, c'est mieux déjà. LOL Champec. You have discovered fusion. Justement. Première fois que je vois Champec. Bonsoir monsieur Champec. Sur le live. Justement Champec va bonsoir. Pouvoir confirmer ce, par rapport à Jean-Luc Reichmann. Ouais, il vient de dire c'est vrai. Ah bah. Rejoindre la ville. Construire. Je sais pas si c'est bien ça. Deux secondes, monsieur, deux secondes. Non. 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 Je sais pas si c'est vraiment utile, mais je vais essayer. Ah ouais, vous êtes un mec comme ça, vous. L'âge d'or de Tenko vient de commencer. Vous avez perdu un point là-dessus, voilà.
Ah oui, j'ai fini ça. Il reste deux. Putain, c'est rien long ça. Vous avez construit un aéroport à Aubin City. Bravo, bravo. En effet, bravo, bravo. Tout le monde a envie d'aller à Aubin City. J'ah fait la statue de liberté à Luigi Land, monsieur. J'imagine la statue de liberté, en fait, c'est un Luigi qui tire la flamme, quoi. Ce serait tellement beau. Tellement. Ah ouais. Ça peut être pas mal. On n'est pas vraiment alliés, mais on n'est pas ennemis non plus, en fait, pour l'instant. On va dire qu'on est alliés, mais on n'a pas d'alliance. Ouais. Genre établi, quoi. On peut pas, de toute façon. On a essayé de regarder si on pouvait faire les échanges d'alliance et on pouvait pas. Mais je crois qu'il me faut le fascisme, en fait. Mais à chaque fois, ils disent qu'il faut un truc et. Il suffit pas. Il y a toujours plusieurs trucs. Le fascisme, c'est genre le seul truc que j'ai pas encore niveau politique. Pareil. Ah, ça c'est bien ça. Les frontières de Samus Sus se sont étendues, donc du coup je vais pouvoir. Vous avez construit le Pentagone ? Pentagone. Eh oui. PD enculé. Et pourquoi ça, monsieur? Parce que j'étais en train de le construire aussi. Eh oui, mais fallait vous dépêchoir, c'est votre faute. Du coup, c'est mort. Écoutez, vous allez avoir des sous, hein, au moins. Merde, je voulais pas faire un observatoire. Je veux faire un bateau atelier parce que je peux exploiter cette source de pétrole de cul. C'est ça, le pétrole de cul. Mais assez, oui. Franchement, pétrole de cul, j'ai un peu du mal à faire une idée. C'est pas trop compliqué, vous avez la chiasse, ça fait du pétrole de cul. Ouais, c'est moche, quoi. Bateau atelier, voilà, c'est ça que je cherchais. C'était quoi ce klaxon de cul? Bateau atelier. Bateau de pédé enculé, oui. Champac. Up user. Voilà. You have added Champac as the moderator. Ah, vous êtes un mec comme ça, vous. Ouais. Mais de rien, messieurs. Alors. Qu'est-ce que je peux faire à sardine à l'huile? De la merde. Bah, un marché, à sardine à l'huile, enfin. Faut bien la vendre, toutes ces sardines à l'huile de merde. Le cul! De l'huile de cul. Très très sale ce live. Très très sale. Très sale. C'est un peu con les bateaux ateliers.
Ah. Ben moi, je sors du boulot, là. Enfin, ça va faire 2 heures que je suis sorti. Du coup, je pense dans 1 heure, je serai couché. Alors, les ouvriers, là, ils me servent pas à grand chose ici. Si là, je peux exploiter cette case ici, à la limite. Préserver forêt, et puis quoi encore? La forêt, là, quoi. C'est ce que j'allais dire. La Vendée, la. No. Centrale thermique de charbon, voilà comment je préserve la forêt. Moi. Et toi, comment préserves-tu la forêt? Pardon. Pas comme ça. Sigomar. Oui, parce que je lui ai dit qu'il y avait un live. La bombe atomique, je crois que ben, je peux faire des centrales nucléaires, donc techniquement, ouais, je dois pouvoir avoir la bombe atomique. Mais après, c'est un peu de la merde dans ce jeu, la bombe atomique. Je crois que c'était mieux dans Civilization Révolution, si je dis pas de conneries. Bon, bah, il va falloir apprendre le fascisme. J'ai plus trop le choix. Bravo. Putain, mais à bourse rouble, y a rien, quoi. Bourse rouble, quoi. C'est votre idée, là. Je sais bien, mais bon, c'est beau, quoi. C'est très très beau. Rien pour améliorer la production, là. Si, voilà, plus de 25%, ça, c'est parfait, ça. C'est ça qu'on veut voir. You have discovered stealth. Ah, c'est sûr, Sigmar, il y a même pas eu d'annonce sur YouTube ni rien. La seule annonce qu'il y a eu finalement, c'est sur Facebook. Comme monsieur n'a pas Facebook. Un peu ça. Bon, après, c'est pas le live le plus intéressant non plus, Civilization. Il y a 4 viewers à 9h du mat, c'est normal. Bravo. Enfin, 4.
Orboyard qui reste fidèle à lui-même et qui fait que des bateaux depuis je sais pas combien de tours là. Plus 25%, ouais, mais c'est cher cette merde là. Oh! Les élevages de chauves-souris situés près de Pingasland se développent massivement. Une source supplémentaire de salpêtre, utilisable comme poudre à canon. What the fuck? Un élevage de chauves-souris, quoi. Normal. Ça fait un élevage de chauves-souris, bravo. Quoi. Bravo. Bravo. Sinon, vous faites chier dans votre pays ou. C'est un peu ça, mais j'ai genre 4 trucs de chauves-souris maintenant. Complètement con, quoi. Technologie future, allez, c'est parti. Vous êtes un mec. Vercingétorix, monsieur. Non, mais bravo. Vercingétorix en 1297. Sérieusement. Complètement con. Moi, quand je vois ça. En plus, il est à moitié habillé comme Adolf Hitler, le mec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce connard? Rejoindre la ville en tant qu'instructeur militaire, voilà, c'est bien. Ce Cyrus 2 qui a ramené une frégate genre chez moi, quoi. Le mec il se fait pas chier avec sa frégate. La vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies, quoi. Les frégates. C'est comme Ségolène, sauf que c'est de la lef. La vie de pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. Centrale de charbon. Centrale de cul, oui. Ça me va. Alors la galère en galère. Eh ben, je pique ta vinasse. Putain, monsieur. Quoi? J'ai racheté Dynasty Warrior 50 Tigers. Enfin. Vous êtes sérieux? Ah, fallait bien que je le rachète un jour ou l'autre. Bravo, bravo. Le jeu qu'on aurait bien aimé avoir quand vous étiez chez moi IRL. Putain, mais Cyrus 2, il a zéro d'or, quoi. Les mecs, ils sont à poil, quoi. Gay. Pfff.
forge à Bourse-Rouble. Oh putain, mais c'est... Bon, un port à Illigland. Un théâtre à cuir moustache. Je vais racheter Kessen 2 bientôt. Kessen 2, Time Splitters, mais en fait, je pense que je vais tout prendre d'un coup. Espèce de riche, quoi. Je vais même pas me faire chier. Comme ça, j'achèterai tous les jeux que j'ai avant de déménager. Enfin, dont j'ai besoin avant de déménager. Ce sera fait. Vous êtes qu'un riche, monsieur. Depuis que vous avez votre RSA, là... Ça y est, quoi. Et ça de cul. Non, puis c'est pas si cher que ça en plus ce que je veux. Kessen 2, je dois pouvoir le trouver vraiment pas cher, genre dans les. Enfin, moins de 10€, je dirais. Et après, les Time Splitters, si je le prends sur GameCube, ça va me coûter très cher. Je pense que je vais le prendre sur PS2. Sinon ça va être limite. Ah, les musiques de Civilization 4 sont sympas. Allo Ibis, je vais tout casser. Ah, ce vieux Yeti de cul. Vous êtes un mec comme ça, vous. Quoi ? Faites des vaisseaux spatiaux. Non. Ben. De quoi vous parlez ? Je suis pas de vaisseaux spatiaux. Ouais. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez dire. Ouais. Attendez, juste deux minutes. J'essaie de regarder un truc. Ouais, c'est ça. Tac. Ben, le truc, c'est que sur GameCube, je l'avais sur GameCube... Non, je l'avais même pas sur GameCube, en plus, Time Splitters 3... Si, le 3, je l'avais sur GameCube. C'est le seul que j'avais sur GameCube, les deux autres, je les avais sur PS2. Mais c'est vrai qu'il est mieux sur GameCube, mais il est tellement cher par rapport aux autres. Les jeux GameCube, ils deviennent super chers. Genre le Twin Snakes, là, qui est à 50€... Time Splitters, il doit être... Twin Snake, quoi. Time Splitters, ça doit être pareil, à peu près. Dans les 50. Le Twin Snake, il a toujours été cher, hein, c'est pas nouveau. Ouais, mais le truc, il a jamais baissé, quoi. Non, mais les jeux GameCube, en général, sont chers. C'est de la merde. Ça devient de la collection, le truc. Vous mettez... Vous hackez votre Wii, vous mettez le truc pour lire les ISO GameCube, et puis voilà. Problème réglé. Ouais, mais non. Ok, si tu veux, marché conclu, allez. Moi, je veux le jeu pour la collection. Monsieur est riche, donc monsieur se permet. Mais surtout que je l'avais avant, le jeu, et ça me fait chier. Il y a des jeux qui ont disparu, tu sais pas pourquoi. Vive les frites quand même. Non ? Non. Non.
pétrole contre de la soie. Tu veux des frites avec ça? Le mec, il a cru, quoi. Il y en a qui ont de l'espoir dans la vie, quand même. Enfin, c'est bien, hein, l'espoir aussi. Kalidas, hein. Kalidas, artiste illustre. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit... Un blizzard a provoqué la chute de plusieurs mètres de neige sur une région proche de Kamulox. M'en fous. Moi, je peux pas le construire. Allô, Ibis, je suis pas content, je vais te casser les yeux. Bravo. Pardon. Bravo. C'était tentant. Bravo. 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 Bravo, bravo, quoi. Bravo, bravo. Et bravo. Bravo. Ces gens qui disent bravo. Ah ouais, d'accord, pour le multi The Last of Us, c'est ça, on choisit entre les chasseurs et les lucioles. Et bim! C'est le Pentagone et l'ONU, monsieur. Bravo. Je vote Tenko. You have discovered future tech. Le truc qui va jamais avancer, en fait, parce qu'on va tout le temps voter pour soi-même. Du coup, on va tout le temps être à égalité. Qui vous êtes mon con, moi, quand j'entends ça. Faut mettre ça comme ça. T'as vu? C'est si cryptique. Ouais, c'est comme ça. LOL. Pourquoi Tenko a plus d'importance que les autres, quoi? Putain, mais ils ont voté pour vous, tous les enculés. Eh ouais. Mais c'est... j'hallucine. Franchement. C'est beau, hein. C'est parce que je suis un grand homme, monsieur. C'est comme ça. Faut vous y faire. A plus, Sony. La partie n'est plus synchronisée.
Non, sérieux? What the fuck? Non, quoi? On n'est pas sur Crusader, bordel de cul! Mais attendez, je vais me déco au reco apparemment. Ils disent qu'il faut que faire ça. Mais il faut que je quitte le jeu aussi, non? Je sais pas, c'est marqué. Veuillez vérifier vos valeurs hors 5 à côté des scores. Le joueur ayant des valeurs différentes devrait se reconnecter pour resynchroniser la partie. Ouais. Attendez. Sauf que comme on est que deux, on est forcément. Bah oui, donc logiquement, si je m'en vais. Alors, retour au menu principal. Nous attendons que Crony se reconnecte à la partie. Le jeu qui s'est cru croiser d'un coup. Il n'y a pas Facebook, c'est une honte. Bravo. Pardon. Et bonsoir, monsieur Champac. A plus, monsieur Champac. Monsieur, c'est ça qui cause les désynchronisations. C'était beau quand même. Je sais pas si on a oui, bien compris. C'est ça qui cause les désynchros. Mais non. Monsieur. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Bien sûr que si, monsieur. Bien sûr que non. C'est moi. Que... Voulez-vous battre? Moi, je suis Skaro. C'est beau avec cette voix quand même. C'est consternant. Consternant, moi, quand j'entends ça. Mais non. Moi je suis ce KO KO quoi. Bravo. Vous êtes dans la partie ou pas? Non, pas encore. Oui, oui. Ah oui, je me disais. Ici. Comme ma bite aussi. Ah bon? C'est inquiétant. C'est normal. T'en faites pas. C'est normal à Paris! Mouais. 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 Bon, je vais faire ça. Et... Fuck. J'avais pas fait gaffe, mais...
Mais. Oh ouais, au four. Carrément au four même. Et carrément. Quasiment carrément quoi. On va faire ça comme ça. Ah ouais. Suffrage universel. Et tout à fait. Ça y est, c'est la démocratie, ça rigole plus. Tout ça après avoir découvert le fascisme, hein, monsieur. C'est beau. Normal. Votre démocratie, c'est du flan, avouez-le. Hein? Et tout à fait. Je le savais. J'ai toujours dit, de toute façon, la démocratie, pour les tapettes. Hey. Quoi? Dans épicerie, il y a pisse. Bravo. Bon, les violons, ils se calment, là. Putain. Violon de cul. Parce que... voilà. Parce que j'ai travaillé cette nuit et que... que Crony s'est levé à 1h et que du coup, avant d'aller me coucher, je fais un live. On est des gens comme ça. Voilà. Et comme ça, bah... voilà. Et alors Voilà. Non mais voilà quoi. Et tout à fait. Bravo les Russes.
Combien de temps ça met à finir cette merde? Toi-même, enculé. Et bip toi-même. Il est enculé. Suffit maintenant. Non, t'es trop nigger, toi, je t'ai déjà dit. Fier, c'est que mon personnage, il est nigger aussi, quoi. C'est tellement con. Bravo. Un feu de forêt a provoqué par la foudre s'est propagé autour de cuir moustache. Ah. C'est bon, on va aider les victimes. Vous dites ça, genre tellement blasé. Ah, ça coûte du fric, quoi. C'est ça le problème. Du fric. Et du pognon. Et le pognon. C'est du fric. Non. Non. Non, monsieur. Mais... Saeko Gasai, elle dort jamais. On est en 2003, monsieur. Tout à fait. Bientôt, on va rattraper notre époque. On va se doubler, même. Tout à fait. Ça va être beau. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez l'air motivé que vous dites tout à fait. Tout à fait. Fraiseland, quoi. Fraiseland. Fraiseland qui veut pas se sortir de la mer. Tout à fait. Oh, vous croyez sur MSN là ou comment ça se passe? Non, moi je rigole pas, c'est pas drôle. Nos développeurs de jeux vidéo ont créé une nouvelle et addictive version de civilisation. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Lol gay quoi. Pourquoi pas? À ce moment-là, prenez-moi jouer, quoi. Non. Capitaliste! Saloperie! Bravo. En tant que secrétaire général, vous pouvez demander le vote d'une résolution mondiale. Qu'est-ce qu'il est bon d'être secrétaire général? Merci pour la construction de l'ONU, monsieur. Ouf. Oh.
Alors, voyons voir qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Ouais. Putain, j'ai du choix, disons. Une monnaie unique plus une route commerciale dans toutes les villes. Compris ? Allez au boulot, monde de merde. Eh ben moi, je vais faire comme d'habitude. C'est-à-dire ? Abstention. Ce mec. Juste pour faire chier IRL. Dans le vote, quoi. Comme IRL, abstention. Moi, non. Genre, vous votez non, quoi. Le mec, c'est lui qui propose le vote et il vote non, quoi. Non, si, je veux dire, moi, je fais pas abstention. Ça aurait été drôle. Ça aurait été très con, même. Mais voilà, mais c'est tous des moutons, de toute façon, j'avais bien quand même en faisant. Hein. Abstention, ça serait voté. Déjà, mon vote, il vaut 270. Allez, monnaie unique. On adopte l'euro, monsieur. Le rouble. Le tenku. Parce que c'est moi qui ai le rouble. La monnaie. On adopte le rouble, monsieur. Le rouble. La monnaie unique. Le louis d'or. Le louis d'or, quoi. Truc complètement gay. Le zarakaï d'or. Monsieur. Pardon. Ah, c'est vrai que j'ai une ville qui s'appelle Grosse Tata. Bravo. Voilà, Hollywood. Vous êtes sérieux là ? Oui. Putain. Heureusement que j'étais sur le point de le faire. Heureusement que je me suis pas mis à le faire maintenant, quoi. J'aurais été comme un con. Ah. Et c'est encore à Luigi Land, hein, monsieur. Putain, mais Luigi Land, c'est la ville. C'est the place to be, quoi. C'est ça. C'est la 7ème merveille du monde, Luigi Land. Il y a tout, quoi. La Hollywood, la Statue de la Liberté. Tout. Tout le monde. C'est ça. Tout le monde. Ta mère, ta soeur, ta femme. Ta grand-mère. Putain, par contre, Fraiseland, c'est vraiment l'endroit où il faut pas être. Hein, ça avance pas. Il y a pas moyen de les débloquer, ces connards. En fait, pour les débloquer, il faudrait que j'arrive à baisser le truc d'un level, mais... Ah, mais je suis con, je peux le faire, ça. Je peux faire ça. En faisant ça. La méga famine of the dead. Complètement lol gay. Ça sert à rien, ça. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Et quand on passe aux choses sérieuses, ça se passe pas de la même façon, c'est moi qui vous le dis. Non, monsieur. Ça se passe pas de la même façon.
Gay-g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 ay-
Sogué. Un peu ça, quoi. Un peu sale, surtout. C'est pas suffisant. J'en veux plus. Plus. Plus de pouvoir, plus. Plus de saucisse. Putain, mais y'a rien, quoi. Bon, tant pis. J'étais obligé de faire ça. Kaka Petrovic. Bravo. C'est un peu la merde, Kaka Petrovic. C'est un petit peu le principe de s'appeler Kaka Petrovic. Ouais. Ça aide pas. Ça soit la merde. Ouais, bah c'est une ville de cul, voilà. Enculard de porc, c'est un peu une ville de cul aussi, d'ailleurs. En même temps, monsieur, hein... Ça va avec le nom. Il y a des villes comme ça. Grosse... Ça s'appelle pas un culard de porc qu'il veut. Grosse tata, c'est un peu mieux déjà. La merde. Pas construire un laboratoire ici. Et pourquoi? Et pourquoi? Et parce que... Ça me fait chier. Je veux construire un laboratoire, moi. Non mais oh. Non mais, dis donc. Eh. Non mais faut pas déconner non plus, hein. Du coup, il n'y a rien qui est très intéressant là-dedans. Une forge. Lol. Une Ford Fiesta. Bon, le port, c'est au bord de la mer. En plus, c'est bien dans une ville qui s'appelle Enculard de Porc, c'est parfait. Ça y est, monsieur, les viewers sont tous partis. Au four! Sauf... C'est tous des pédés enculés. Tous des pédés enculés, de toute façon, je l'ai toujours dit. Ça commence à être bandant tout ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein? Hein? Petit à petit, l'oiseau est gay. Cui. Mais oui, c'est ça. Complètement gay, l'oiseau. Il le faut encore, hein.
Vers 6, ce qui ne les empêche 7... pas d'alliguer. Vers 6-7 heures du mat, là. C'est en mode cuiste à fond, quoi. Attendez! Ah, Mélodie! Non. Mélodie, grosse salope! Ah, Mélodie! Ah, grosse salope! Mélodie. Grosse salope. Et tout à fait. Ah putain. Moi, quand j'entends ça, ça me donne envie de chier. C'est la violence, perceuse de cul. C'est tellement la violence. Elle suffit. Oh yeah. Ça vous amuse? Ouais. Complètement con. Ouais. Le mec qui cherche même pas à nier. Bravo. Bravo. Non, 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 non. Non. J'ai envie de dire non. Non. Reste deux, mais va te faire enculer, bâtard. Non. Bon, laisse tomber. Pour l'instant. Non. Ça se passe très très bien. Merci, perceuse de cul. Non. Ah, les niggers, ils ont pris des tornades dans la gueule. Non. Non. Ah, Shaodun. Je peux faire ça? C'est quoi? Lol, non, mais ça c'est de la merde par contre. Si je gagne là-dessus, monsieur, c'est... Non, mais franchement, si vous gagnez sur ça, c'est nul. Franchement, vous avez tué la partie si vous gagnez comme ça. Aucun intérêt, quoi. Mais on chargera les sauvegardes auto aussi. Et les ordinateurs sont tellement cons que je crains qu'ils soient capables de voter, quoi. Et bam! Mangez-la, celle-ci. Le gay! Normal, quoi. Ça vous apprendra à faire des conneries. Thank you.
Mais ça vous fait même pas gagner en plus. Bah pour l'instant non. Non, Sigurd, c'est un truc à la con. Ouais. C'est un vieux son MSN que j'ai fait où on dirait que Kao Kao se tape Xiaodun en fait. Bravo. Vous vous en souvenez, monsieur, non? Oui. J'ai le Mont Rushmore à Luigi Land, monsieur, maintenant. Putain. Tellement le place to be, quoi. Et j'imagine tellement le Mont Rushmore avec les quatre têtes de Luigi. C'est chiant, ça, la famine. Il y a certains cas, on peut vraiment rien faire, quoi. Famine de cul, ouais. Donc arrêtez de bouffer 3 repas par jour, ces enculés. Un peu de pincée, qu'il y a de l'eau et c'est bon. Bon, au palais, je mangerai le reste. Donner le chien de la pisse. Non, monsieur. Si. Non. Vous allez finir dans le camp de concentration d'Open City, monsieur. Et vous qui allez finir dans le camp de concentration d'Open City? Ah non. C'est moi le seigneur de cette nation, c'est pas possible. Trop de grobilisme pour ça. Bien sûr. Bah ouais. Qu'est-ce que vous croyez? Je crois que vous êtes complètement con. Tata? Non, patata. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça là? Au four!
le nigger qui veut me convertir au christianisme, quoi. Il faut que ça passerait. Un peu ça. Les PC fabriqués à Bourse-Rouble sont très demandés par les particuliers et les petites entreprises. Ah. Si vous le dites. Mais j'en ai rien à foutre. Oh putain. Bon. Peut-être aller me coucher, non. Moi. Non. Il est temps, monsieur. Non, monsieur, non. Y'en a qui bossent cette nuit. Eh bien, non. Voilà. Bien si. Eh bien, non. Je suis mort, moi. C'est faux. Non, c'est pas faux. Bien sûr que si, c'est faux. Ah ouais, quand même. Carrément. C'était violent, ça. La violence qui... Waouh. Le truc, il a saturé, quoi. Waouh. Moi, quand j'entends ça... Ouais, non, là, c'est, là, c'était magnifique, là. C'est... Ça me donne envie de chier. Allez. Sur ce... On arrête. Non, attendez. Attendez, j'ai dit. Dépêchez. Dépêchez-vous. C'est Pinkfold. Finissez votre tour, monsieur. Voilà. Alors, attendez. Ça vous va, ça? Fête du président. Au four, la fête du président. Alors, attendez, juste deux secondes. Oui. Je fais encore un truc. Voilà. Bravo! 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 Allez, sur ce... Merde! Voilà, juste pour le plaisir d'entendre Picouli. Ah bah, les touillés, touillés. C'est beau. C'est beau. Ouais. Avant d'aller se coucher, c'est beau. Faut l'avouer. Bravo. Bye-bye, touillet, touillet. Bravo. Bravo. Voilà. Maintenant, c'est fini. Bon. Allez au four. Bonne nuit, Sigmar.